Alors bonjour, je m'appelle Alexandre Bonnefoy, je suis illustrateur, éditeur, un peu photographe aussi. En fait, j'ai créé avec ma compagne Delphine Bouffray une maison d'édition qui s'appelle les éditions Isekinicho. C'est une maison d'édition qui est spécialisée sur le Japon et qui va traiter un petit peu de tous les sujets, que ce soit aussi bien du livre photo, du livre jeunesse, du roman, de la bande dessinée. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de présenter le Japon sous différents aspects. Donc on va s'intéresser à mettre en valeur le travail de différents auteurs qui connaissent bien le pays. C'est souvent des Français qui habitent là-bas, qui connaissent bien leur thème. Donc ça peut être du livre d'exploration urbaine, ça peut être du livre sur le saké, ça peut être voilà, tout ce genre de choses. On va surtout chercher des sujets intéressants. Donc on ne se focalise pas forcément sur une tranche d'âge ou sur un type de livre. On peut très bien faire du livre jeunesse, donc on a une collection de contes qui s'appelle Mukashi Mukashi, qui veut dire « Il était une fois » en japonais. Là, on va présenter des contes traditionnels, connus et assez populaires au Japon, qui sont souvent méconnus en France. C'est plutôt à partir de 5 ans. On peut avoir du livre sur le saké, donc là, on est plutôt sur un public adulte. On est sur du guide de voyage, donc là, on va plutôt toucher des gens qui connaissent pas forcément le Japon, mais qui ont envie de connaître. Voilà, on peut être aussi bien sur des sujets pointus qui vont intéresser des gens qui s'intéressent déjà au Japon, ou alors des sujets où on veut amener des nouvelles personnes à s'intéresser à ce pays, à leur montrer que c'est vraiment un pays très intéressant et qu'ils le connaissent peut-être malheureusement que par des clichés qu'on va essayer de démonter en fait dans nos livres. Alors on a eu un cheminement en fait, la maison d'édition, elle ne s'est pas créée comme ça, on ne s'est pas levé un matin en disant tiens, on va créer une maison d'édition. Delphine et moi en fait on a un parcours en graphisme, donc qui nous a permis de toucher au livre dans la mise en page, la typographie, le choix des papiers, ce genre de choses. Pendant nos études on s'est beaucoup intéressé à ça. On a continué en illustration, donc tous les deux en illustrateur, donc on a travaillé avec beaucoup d'éditeurs différents, donc on a toujours baigné en fait dans le monde de l'édition. Et ensuite, on s'est intéressé à l'auto-édition. En fait, les premiers livres de la maison d'édition, c'est des livres dont on est les auteurs, et on a décidé de les auto-éditer, donc seuls, de les vendre seuls en fait, de les créer et de les vendre seuls. Ça a bien marché, enfin, les gens étaient très intéressés par les thématiques qu'on abordait, qui étaient un peu différentes de ce qu'on pouvait trouver en édition classique en fait, sur le Japon. Où en 2012, en fait, le Japon, c'était vraiment le pays fascinant avec le mont Fuji, avec la tour de Tokyo, mais on ne sortait pas trop de ces clichés-là. Et nous, on avait vraiment envie de sortir des sentiers battus, de présenter un Japon qu'on connaissait de l'intérieur parce qu'on y vivait. Et donc, pendant un an, on a fait du livre en auto-édition. Et l'aventure nous a plu. On connaissait d'autres auteurs qui avaient les mêmes démarches que nous et on a eu envie de les éditer en fait. Et c'est comme ça que ça a démarré. Il n'y a pas eu de planning, de plan, de se dire on va sortir tant de livres par an, on va faire telle et telle chose. On fait un sujet, on traite un sujet, on se met à 100% dedans et en fait quand on a fini le livre, on réfléchit au prochain. En fait. S'il n'y a pas de livre intéressant à faire, ben, on fait une pause. On ne sort pas forcément de titre, on attend. Et s'il y a d'autres sujets intéressants, on continue. Combien de temps ça va durer? Aucune idée. Déjà, on est très surpris que ça dure depuis 7 ans. On s'était dit, on va sortir 2-3 bouquins et puis après, ça va pas aller plus loin. Et finalement, non, on arrive toujours à découvrir de nouveaux auteurs, rencontrer des gens. Et voilà quoi, c'est l'aventure continue. Il y a de nouveaux auteurs avec qui on est en contact maintenant, on travaille aussi sur des nouveaux projets avec eux, et voilà, il y a toujours des nouvelles choses à raconter sur le Japon. Alors les prochains titres, ça va être de la bande dessinée, avec Atelier Sento, qui ont déjà publié chez nous Onibi, Carnet du Japon Invisible. Ça va être aussi sur la thématique du Japon rural et des fantômes. Cette fois-ci, ça sera complètement de la fiction. Ça sera en 2 tomes. Ça sera en février pour le tome 1 et en octobre pour le tome 2. En auto-édition, on était disponible sur notre site et puis quand on faisait quelques salons. Mais la maison d'édition nous a permis d'avoir des livres qui sont disponibles en librairie indépendante, grande librairie.
et de faire découvrir aussi le Japon par un canal de diffusion plus large, en fait, c'était vraiment le but. Donc on peut nous retrouver en virtuel sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, on est très actifs, on met beaucoup de photos du Japon, on poste un petit peu tout ça. On y poste aussi les dates des différents salons. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir de faire des salons, rencontrer le public, c'est la base. À la base, on faisait du blog, c'était pour discuter avec les gens. Donc, voir les gens en vrai, c'est hyper important de partager avec eux dans leur expérience du Japon, s'ils ont envie d'y aller, s'ils en reviennent. Voilà, quoi. Le but, c'est vraiment de partager par les livres et par les rencontres.